pas encore. Quelle est votre situation? La flotte civile a subi de lourdes pertes depuis que Zahalkoris a sacrifié son vaisseau pour détruire un canon Geth. Seul l'espoir de retrouver l'amiral empêche la panique de se répandre dans nos rangs. Pourquoi retrouver l'amiral est si important? Même s'il était contre l'invasion, c'est grâce à lui que notre flotte civile a si bien résisté. Sans lui, j'ai peur de voir les civils déserter la flottille en masse. Imaginez les conséquences. Ils ont perdu leur guide dans une guerre qu'ils ne voulaient pas. Il est trop tard pour avoir des regrets. Même Zahalkoris mesurait toute l'importance de la flotte civile. Après tout, sans soutien logistique, notre invasion serait stoppée net. Je vais voir ce que je peux faire. Protégez vos civils. Je ne peux rien vous promettre. Je dois superviser ma flotte pour notre assaut final sur Rannoch. La réception est mauvaise. Zahalkoris s'est écrasé à proximité d'une tour de brouillage. Vous devrez la détruire pour pouvoir le contacter. Surtout avancez avec précaution. Les Geths ont dû déployer des mesures de sécurité. Xen ? Amiral Xen ? J'espère que l'amiral est resté près de son module. Ou sinon qu'il nous a laissé un message. On le saura bientôt. Déposez-nous à la tour. On se fait tirer dessus. Les Geths ont déployé des canons anti-aériens près de la tour de brouillage. Il faudra aller les détruire à pied. Une fois les canons HS, vous rasez la tour. Ok, commandant, je vous dépose ici. Il faut que l'un de nous bousille la DCA. H, chargez-vous-en. Entendu. Vous avez capté mon message? J'ai envoyé un SOS. Non, la radio est morte. Vous êtes un soldat? Mécanicien. Dornast. Je nettoie les moteurs. Ça grouille de Geth par ici. Vous auriez dû vous cacher. Je voulais faire gagner du temps aux autres civils en tuant des Geths. Mais... sont trop nombreux. J'avais jamais tenu une arme de ma vie. Ne bougez pas. On a du Medigel. C'est trop tard pour moi. Trouvez l'amiral, détruisez cette tour de brouillage et contactez-le par radio. Je sais. On le trouvera. Écoutez, la flotte civile ne voulait pas de cette guerre. S'il y a la moindre chance que l'amiral Koris soit encore en vie, et mon fils, dites-lui, dites à Jonah que son père a pu revoir sa planète d'origine. Bon, allons à la tour. Ici le commandant Shepard. Dorn est mort, amiral. Il est... Ah... Je comprends. J'arrive avec une navette. Où êtes-vous? Ce qui reste de l'équipage est dans une clairière. Voici leurs coordonnées. Rejoignez-les. On se retrouve là-bas. Non. Je suis bloqué par les Geths. J'entends une autre vague approcher. Donnez-nous vos coordonnées. Laissez-moi. Mon équipage sera bientôt anéanti. Vous aussi. Ce ne sont pas des soldats, Shepard. Ils vont se faire massacrer. Sauvez-les. Amiral, on ne gagnera pas cette guerre sans vous. La flotte civile a besoin de vous. C'est résolument trop tard, Shepard. Même les civils ont pris des armes et se sont engagés dans cette guerre insensée. C'est trop tard uniquement si vous mourrez ici. Vous croyez vraiment pouvoir arrêter cette guerre?
J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que j'y arriverai pas sans votre aide. Ancêtre, pardonnez-moi. Je vous envoie mes coordonnées. On arrive. Shepard, mes hommes, il est peut-être encore temps. Ici Zalkoris, répondez. Répondez, quelqu'un m'entend? On doit y aller. Puisse-t-il trouver le repos dans les cieux de notre planète d'origine ?